C'est une relation qui est toujours mystérieuse, cette histoire de la peinture. Et la licorne, c'est justement, pour moi, c'est un concentré de mystère. Pourquoi tout d'un coup, je me suis mis à attraper ce sujet il y a 25 ans, et j'avais envie de le montrer 25 ans après, et je ne peux toujours pas répondre à la question que tu poses. Alors dans cette licorne, il y a cette idée aussi d'ensevelissement, de disparition, de fragilité, qui peut-être m'attire, comme la peinture, qui est quelque chose de fragile, de mystérieux. Elle sert l'humanité, elle ne sert à rien d'autre. C'est-à-dire qu'elle exprime ce qu'il y a de plus précieux dans chacun. Et donc c'est important qu'une peinture communique. Que ce soit quelque chose qui soit commun et pas une peinture pour soi, dans l'isolement. C'est important d'aller vers le partage de quelque chose. Vous savez ce que disait Chardin sur la peinture? Il disait: la peinture est une île dont je n'ai fait que côtoyer les bords. Vous savez bien, c'est donc un mouvement. C'est pas quelque chose qu'on va décider, une entreprise, qu'on va cadrer intellectuellement. En fait, c'est une véritable aventure. Je suis très émue par la licorne. Je sais que des gens comme Victor Ségalen sont allés la chercher en Chine. Ils l'ont déterré des sculptures colossales qui sont très impressionnantes. Ensuite, on la trouve au Moyen Âge. Et pour moi, c'est très important de ne pas délaisser cet héritage qui a été transmis à travers les générations, qui fait partie du patrimoine de l'humanité. Parfois, à l'atelier, on a vraiment beaucoup de mal à y aller et on préférait le fuir. Mais au moment où je peins, la chose est tellement hasardeuse qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est vraiment, au bout de 25 ans, on peut, en se retournant sur le parcours,
comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé. En fait, si je ne me perds pas dans une peinture, elle ne m'intéresse pas. Parce que ça veut dire que l'idée est déjà là. Alors qu'il ne faut absolument pas partir avec des idées. Il faut qu'en chemin, on rencontre des choses inattendues.